Karim, merci d'avoir accepté mon gaming challenge. Le concept, c'est que j'invite quelqu'un pour jouer à un jeu vidéo et parler un peu de son travail, de sa vie, de ses passions. Toutes les deux minutes, je vais mettre une alarme qui va interrompre notre jeu et on va piocher une petite question. J'ai appris que tu savais jouer un petit peu au foot, donc je me suis dit qu'on pourrait se faire un petit FIFA. Je sais pas ce que t'en penses. Avec plaisir, mais je joue plus souvent au foot qu'à FIFA. C'est l'Euro, qu'est-ce que tu penses de prendre des sélections nationales? Avec plaisir, là je suis déjà aux couleurs, donc ça me va. Un petit Belgique-Italie. C'est parti. Parfait. Je te dis bon match. Bon match. L'image parle d'elle-même. La soirée s'annonce belle ici, très belle, une belle ambiance. Bonjour en Italie. Bonjour en Italie. Aujourd'hui, je suis aussi chaud que là-bas, on est en condition réelle. Oh, c'est beau ça. Je sens les heures d'entraînement derrière. Oh, Je sens les heures d'entraînement derrière. Le gars, il est en nuit-blanche depuis 3 jours. Faux. Ça va mal. Jusqu'à présent, le gars, il est toujours... On est parti sur une petite question, Karim. J'y vais. Vas-y, à toi l'honneur. J'y vais, tu vas. Vas-y, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui sortent d'une année difficile? De leur dire justement que, les gars, on est proche de la fin. Même si c'est pas tout à fait terminé, il faut rester attentif par rapport à ce virus qui est le véritable maître du temps, qui nous a littéralement bloqué pendant plus d'un an, et demi. Ça a dû être super dur, notamment pour les étudiants, mais aussi pour ceux qui n'ont pas forcément eu de job étudiant, pour ceux qui, voilà, comme nous aussi, on l'a vécu d'une autre manière. Voilà, leur dire courage, leur dire aussi dans des périodes d'examen de continuer à faire le max pour la première et la seconde cesse pour réussir leurs études, parce que c'est ça aussi qui donne le meilleur passeport pour l'avenir. Voilà, en gros, courage et on avance. Oh non! Oh! Mais oui! Regarde, j'en perds mon micro. Karim, t'écoutes quoi pour le moment? Pour le moment, je suis retourné un peu en enfance où j'écoute pour l'instant l'école du micro d'argent. IM, c'est un vieil album. Au niveau du rap, même, j'ai envie de souligner qu'à Charleroi, on a la chance d'avoir des jeunes qui sont super motivés. Je ne vais pas tous les citer, mais on a BSL, on a The Masta, on a LG, on a Tata, il y en a plusieurs qui sont vraiment motivés. Et voilà, donc, une nouvelle génération de rappeurs qui arrive, et en plus, aussi à Charleroi, on a du talent. Oh, j'étais en pleine phase offensive en plus, moi. Oh, ouais, hors jeu. Oh, fou. Monsieur l'arbitre, hors jeu. Et il est un chouïa, comme on dit. Amen. Désolé de te couper dans cette phase. En pleine contre-attaque, il me fait ça. C'est le jeu. C'est un peu comme le Covid, c'est le maître du temps. Bon, je vais commencer comme tu as commencé tout à l'heure. Karim, Romelu Lukaku ou Paul Magnette? Oh, la question. Écoute, c'est deux styles de jeu différents. Romelu en pointe et Paul Magnette en meneur de jeu. Tu vois, c'est deux styles totalement différents. Ils sont tous les deux, je pense, au top dans leur discipline. On parlait tout à l'heure de Romelu. Il a un parcours exceptionnel jusqu'à présent. Il n'est pas trop fort aujourd'hui. Il a commencé. Il t'a jamais un but. C'est un monstre. Il se bat, il est en train de repousser les limites à chaque fois. Et Paul, c'est la même chose au niveau politique. Je pense que, voilà, je sais l'engagement que ça demande. Maintenant que j'ai les fonctions, déjà en tant qu'échevin, je vois le temps que ça prend et l'investissement. Donc, j'ose pas imaginer Paul en tant que bourgmestre et président de parti. À mon avis, c'est prenant et ils sont tous les deux... Pour l'instant, ils sont tous les deux au top dans leur discipline. Pour lancer le truc. Mais tu dois quand même me poser une question. Ouais, je suis pressé, tu vois, t'imagines? Il est pressé de me mettre une raclée. Billy Eilish ou Christy Montréal? Waouh! D'abord, je m'excuse si jamais je ne l'ai pas bien prononcé auprès de Billy Eilish, excuse-moi, mais. Je suis sûr qu'elle nous entend ce soir. Billy, sorry. Plus sérieusement, moi, je ne trouve pas qu'on peut souligner que c'est toutes les deux des femmes qui sont aussi au top.
Je veux dire Billie Eilish d'un point de vue artistique et Cristy Montréal par son travail. Elle a fait preuve de courage, d'abnégation, de persévérance pour essayer d'en sortir le plus vite possible. Et sincèrement, c'est une femme intelligente, compétente, qui a été, je pense, très courageuse dans le cadre de cette crise. Et elle montre un exemple et je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes qui s'engagent en politique pour faire évoluer les choses. Bon allez, on est reparti. Allez. T'es prêt ? Go. Et encore un quart d'heure. Oh, oh quel sabotage. Franchement, ton... ça va voir hein, ton système de... Je t'invite pour... Et je fais des pauses n'importe quoi. Oh non, 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 non. On bloque là. On bloque là, on est là. Ah. Ouais, 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 ouais. Ça. Driss. En plus, il joue en Italie, lui ouais, aussi. Ouais, il joue à Naples. Oh non, attends, je termine il ça. Est en train de se concentrer. Ça, non, ouais, forcément. Oh, vas-y, ouais, toi. Fais la petite faute intelligente. Hors jeu. Non. Elle est bonne. Ouais, ouais, le VAR n'a pas vu. T'as de la chance, mais c'est bon. Je porte même pas plainte, regarde. Tu vois, je pourrais faire appel au VAR, je le fais pas. Allez, 2-3, persévérance. Regarde ça, voilà, l'efficacité en défense. Oh non, la relance. T'as pas vu ça. Oh. En parlant de relance, ah non, j'ai dit que j'arrêtais de parler. Non, mais en parlant de relance, moi, je me réjouis. J'espère qu'un jour il acceptera de venir faire un gaming challenge avec moi. Je trouve que c'est génial d'avoir quelqu'un comme Thomas qui dermine, qui s'investit dans notre parti et dans son action au gouvernement. Parce que justement, il y a plein de projets qui concernent Charleroi, qui concernent la jeunesse, les métiers d'avenir, sur lesquels Thomas travaille. Et je parle sérieusement, et il va me foutre un goal. Ah oui, ah oui. Le goal est pour Thomas. Le goal est pour Thomas. Voilà, Thomas, il a mis un goal. C'est pour toi, Thomas. Ah, regarde-moi ça. Continue à parler de Thomas. Hat-trick de Lukaku. Oh non. Comment tu vois Charleroi en 2050? Mais je la vois comme une ville qui continue à se développer, qui répond aux grands plans et aux exigences en termes climatiques, notamment grâce à des grands projets de mobilité qui vont aboutir, qui vont faire changer les comportements des gens. J'espère voir la ville aussi multiculturelle comme elle l'est aujourd'hui, mais avec des rénovations qui seront terminées depuis plusieurs années et qui font en sorte que c'est gai de revivre dans le centre-ville de Charleroi, mais aussi à l'extérieur du centre-ville, à Marchienne, à Jumet, à Gosselies. Voilà, je pense qu'il y a vraiment les bases et des projets sur lesquels notre ville va continuer à se développer à tout point de vue. Et toi ? J'espère qu'en 2050, on va arriver à toucher le but final, et même avant, c'est que la démocratisation du sport, avec du sport gratuit à Charleroi, et surtout aussi une jeunesse épanouie, notamment avec les stages gratuits. Aujourd'hui, on a plus de 50 stages gratuits. Et je remercie, j'en profite si avec le club sportif nous regarde. Merci à vous parce que c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on arrive à faire des stages gratuits pour les jeunes. On temporise. C'est le moment de sortir. Oh, gamin, on sent l'expérience, hein, pas de panique. Ouais. De... Oh non, moi je suis trop sur toi, toi. Non. Ah, un peu trop hâtif pour la conclusion, quoi. Oh, oh, c'est beau ça. Ouais, mais t'as pas vu. Ah. Alors, Karim, c'est quoi ton jeu vidéo préféré? Il va me répondre FIFA. Ouais, j'ai envie de faire une capture Discord direct et capture Discord à quelques minutes de la fin. Non, c'est pour l'instant, c'est le seul auquel je joue. Mm-hmm. C'est bien dû aux consoles. Mais le plus important, l'école et faire du sport aussi. Tu vois, je vais passer un message, merci Max. Merci de m'inviter. Avec plaisir. C'est bien, la beauté du sport aussi, c'est ça. C'est... Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. T'as perdu, je t'annonce. Oh. 2-5, chez toi. Bien joué, Karim. Ben voilà, tu m'as battu, Karim. Et c'est un honneur de se faire battre par le capitaine de l'équipe nationale de mini-foot et un joueur de ton rang. J'accepte ma défaite. Et donc, j'avais un gage pour le perdant, je vais devoir l'exécuter. Et donc moi, j'allais te proposer de mettre mon super maillot au prochain conseil communal. Mais bon, c'est plutôt moi qui vais devoir mettre ton maillot. Avec plaisir, je vais débarquer avec mon maillot.
Mais ça va, c'est le maillot des Belges, on sera en plein euro, donc...